La société allemande SEW Eurodrive est implantée en France depuis 1959 sous le nom de SEW Usocom à Haguenau. Le site de fabrication emploie 2000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 390 millions d'euros. Ici, on produit 4000 moteurs et 1700 réducteurs par jour. Notre métier, c'est d'être un intégrateur de systèmes de manutention, de mouvement. Nous fabriquons des moteurs électriques, des réducteurs de vitesse et de la variation de puissance qui nous permet d'offrir le mouvement adapté aux besoins de nos clients. Aéroports, industrie, le marché est vaste pour SEW Usocom en croissance constante. Chaîne de production automobile, agroalimentaire, dès qu'il y a du mouvement, la firme allemande est présente. Aujourd'hui, la part de l'export de l'entreprise haguenauvienne représente 75%. Dans cette partie export, à peu près 80%, c'est dans l'ensemble de l'Europe, c'est à peu près 9% Amérique du Sud, Amérique du Nord, c'est de l'ordre de 8% en Asie, et le reste se répartit entre l'Océanie et l'Afrique. Proche du client et de ses besoins, SEW est implanté dans 48 pays avec ses unités de montage approvisionnées par 15 centres de production complémentaires. En Europe, aux États-Unis, mais aussi en Chine, au Brésil, SEW possède des usines. La stratégie exportatrice est efficace. Au niveau du groupe, nous avons toujours eu cette faculté de nous implanter très vite dans les pays émergents. En général, le premier garde un avantage concurrentiel. Donc nous continuerons avec cette politique de s'implanter très vite dans des pays dans lesquels il y a de la croissance. Élue meilleure usine de France en 1997, SEW Usocom est en 2014 lauréat du label Productivé. Le centre de production de Haguenau prépare l'usine de demain. Interconnexion entre les systèmes d'information et les réseaux de l'entreprise, économie d'énergie, mais aussi co-robotisation, font de SEW Usocom la firme 4.0 par excellence. Il faut que l'homme reste au centre de tout ce système, puisque c'est l'implication des hommes, c'est la motivation du personnel qui fera la différence. Donc, dans l'usine du futur, nous essayons de valoriser au maximum le travail de nos opérateurs, de nos collaborateurs, en supprimant toutes les pénibilités sur le poste de travail en lui-même et en enrichissant les tâches. L'automatisation à taille humaine pour fabriquer français, c'est la volonté de SEW Usocom. En 2015, bonne nouvelle pour l'Alsace, un nouveau centre de montage sera opérationnel à Brumath.